La 6e retraite nationale des missionnaires de la CMCI Côte d'Ivoire s'est tenue du 12 au 21 janvier 2024. Un programme qui a vu le rapport d'activité 2023 de chacune des 18 régions spirituelles de l'œuvre. Et ce fut l'occasion pour le pasteur Meignier de rappeler aux missionnaires quelques facteurs devant favoriser le succès dans la conquête dans les différents champs de mission, notamment la nécessité de travailler ensemble avec des cœurs fusionnels, l'importance du renouvellement des liens d'attachement envers le porteur de vision et les uns envers les autres, et l'encouragement des missionnaires à ôter tout ce qui est de l'infantilisme pour s'établir dans la maturité afin de gravir de nouvelles échelons dans la conquête. Si nous disons la retraite des missionnaires, le passé mené a été une merveilleuse cérémonie, une merveilleuse rencontre à partir de laquelle nous avons appris beaucoup de choses pour nous encourager dans le champ de mission. Et particulièrement la chose qui a retenu mon attention, c'est beaucoup plus le fait de travailler ensemble, le fait d'être un corps uni, le fait de pouvoir nous encourager les uns les autres pour travailler ensemble. Ça a été quelque chose qui est ressorti principalement pendant ces retraites. Et ça nous a beaucoup encouragés. Et le fait aussi que nous devrons aller pour nous ressouder et puis redire nos engagements envers nos dirigeants et demander aux frères de rétablir nos engagements envers nous, de redire nos engagements envers nous, ça a été une rencontre très importante pour nous, pour nous encourager dans le champ de mission. Vous savez, en chacun de nous, il y a ce qui est de l'enfance. Mais il faut éviter de manifester ça à un certain niveau. Donc le Père nous a amené à enlever cette partie pour devenir des grands, pour nous réjouir avec le Seigneur en étant des conquérants, parce qu'il n'y a que le vrai conquérant qui peut se réjouir. Parce que la victoire, non, sinon la réjouissance d'un missionnaire, d'un conquérant, ne vient qu'après une victoire. Or, avec l'enfantilisme, on ne peut pas conquérir. L'enfant veut qu'on lui donne, l'enfant veut qu'on s'occupe de lui, l'enfant veut, il veut toujours, il veut. Or, si nous sommes des conquérants, nous devons aller chercher, nous devons nous battre, nous devons tout faire pour donner le modèle, pour que ceux qui sont sur nos champs de mission nous voient comment nous vivons pour qu'eux aussi vivent comme ça. Donc nous avons intérêt à enlever tout ce qui est de l'enfance en nous pour devenir des hommes mûrs, des hommes faibles, capables de produire un modèle. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans cette retraite, c'est la partie où Dieu a amené l'homme de Dieu à nous amener à renouveler nos sentiments aux personnes avec qui on a commencé l'œuvre. Et moi-même, par la grâce de Dieu, avant qu'on ne vienne, je me suis rappelé de certaines personnes avec qui on a commencé l'œuvre depuis. Donc j'ai effectué un voyage pour aller dire merci à un frère que lorsqu'il avait eu sa moto, il avait mis ça à la disposition de l'œuvre. Donc parcourir les distances que, par exemple, San Pedro Guiritu, San Pedro Bio, San Pedro Gueyo. Et même la dernière fois, on avait fait San Pedro Moussa Dougou et en route, on avait eu un accident. Donc j'étais allé lui dire infiniment merci et lui dire que je comptais sur lui. Et on arrive et le Seigneur permet que, à cette période-là, on nous demande de renouveler nos sentiments aux gens avec qui on a commencé l'œuvre. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que réellement que nous les pratiquions. La chose qui m'a particulièrement marqué à cette année 2024, c'est nul doute le fait qu'il faut renouveler ses sentiments les uns vis-à-vis des autres. Et ça m'a particulièrement marqué parce que c'est une chose qui est absolument nécessaire. Et le Seigneur, à travers son serviteur, nous a emmenés à comprendre que nous avons besoin de ça. Parce qu'à un certain moment donné, quand on vit, on fait les choses spirituelles, on oublie un peu ce côté affectif-là. Mais le côté affectif, en réalité, il est celui qui soutient même tout ce qu'on fait. Surtout dans notre œuvre comme celle-ci, la formation des disciples, nous devons vivre avec les autres, nous devons travailler avec les autres, les engagements,
le fait de suivre, le fait d'être attaché au frère et au disciple, tout ça là trouve quand même une base dans le fait qu'il y a un fort attachement. Donc l'unique chose même que je peux véritablement retenir, c'est qu'il faut renouveler les liens. Il faut réaffirmer ses engagements, son amour, son attachement. Et le Seigneur a dit plus loin, il faut même demander à certaines personnes, est-ce que tu continues de m'aimer, est-ce que je peux compter sur toi? Qu'il ne faut pas hésiter à demander aux frères s'ils sont avec toi ou ils ne sont pas avec toi. Il ne faut pas aussi s'offusquer si on te demande est-ce qu'on peut compter sur toi. Jésus l'a demandé à 3 reprises à Pierre. Et à 3 reprises, Pierre a répondu. Donc c'est absolument nécessaire, c'est absolument vraiment important. Donc c'est la chose qui me fait chaud au cœur avec laquelle je repars. Je repars pour encourager les frères, pour leur dire que sans eux, nous ne sommes rien. C'est avec eux que nous pouvons travailler. C'est ensemble que nous pourrons vraiment réussir. Le pasteur, notre dirigeant, notre leader national, a prodigué quelques conseils, quelques sages conseils aux missionnaires. Et nous avons été édifiés. Principalement, il nous a parlé de la communion fraternelle. Nous devons travailler comme un seul corps, avec beaucoup d'humilité, et pour que nous puissions réussir, beaucoup d'amour. Le message était vraiment, les conseils étaient très édifiants. Et nous avons été bénis. Cette retraite-là, c'est la retraite non seulement du retour à Dieu, mais de du renouvellement des relations, le renouvellement de la communion fraternelle, des sentiments envers les frères et les sœurs. Et ça m'a beaucoup marqué. Parce que quand il y a un renouvellement chaque année, on sent la cohésion, la fusion des cœurs. Ça, c'est un élément qui m'a beaucoup marqué. On peut noter, c'est d'abord le modèle qui est devant nous. Notre leader, en tant que modèle humain, il n'a pas varié du tout. Et je pense que ça doit nous inspirer. Et comme je le disais pendant l'enseignement, c'est nous qui devons grandir. Nous devons nous défaire de tout ce qui est de l'enfant. Depuis que je l'ai connu jusqu'à aujourd'hui, il va de progrès en progrès. Et nous, en tant que ses disciples, nous devons l'imiter. C'est tout ce qui vraiment m'a marqué de façon particulière cette année. Cette année 2024, il faut dire que le Seigneur nous a amenés à renouveler nos sentiments d'amour, notre engagement, notre attachement à lui, aux dirigeants et à son œuvre. Et c'était un des thèmes simples et spéciaux. Et donc, personnellement, j'ai été marqué par le fait que nous devons... Dieu nous appelle à fusionner. À nous attacher à nouveau à notre dirigeant et à nous attacher les uns aux autres, à nous aimer davantage pour que l'œuvre qu'il a, qu'il veut accomplir dans la nation, puisse s'accomplir. Nous sommes dans différentes régions et nous sommes, si je peux le dire, un peu dans la solitude. Et nos frères sont dans d'autres régions. Et nos parents sont ici à Abidjan. Et depuis la retraite, nous nous sommes retrouvés. Et nous avons écouté notre père avec les différents messages qu'il nous a donnés. Et ces retrouvailles nous ont permis de fraterniser vraiment. Et aujourd'hui ici, le père nous a offert ces merveilleux repas en famille. Et vraiment, ça me réjouit de ce que nous avons bien mangé. Nous nous sommes réjouis. Nous avons dansé. Nous avons pris les photos avec les parents. Vraiment, c'est la famille. On se sent en famille. Et ça nous encourage. On se sent aimé. On se sent encouragé. Voilà vraiment les choses qui m'ont vraiment touché depuis cette retraite jusqu'à aujourd'hui. Une retraite qui s'est conclue le 21 janvier au domicile pastoral où le couple Meynier a organisé un banquet d'honneur et de reconnaissance à l'endroit de tous les co-ouvriers.
occasion de renouveler l'expression de leur amour et de leur reconnaissance envers chaque missionnaire pour la bénédiction et l'aide spéciale qu'ils constituent dans la conquête de la nation ivoirienne.